Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de Pick All Blocks saison 2. Alors, on s'était quitté la dernière fois sur ma première grotte de cette saison, et je suis toujours comme d'habitude en train de flipper à mort. Ça change pas, comme dirait un de mes amis, il y a des constantes qui changent pas, et je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il dit ça, j'ai envie de le tarter. Mais il n'a pas tort sur ce point. C'est ultra flippant. Truc qui traîne là. J'aimerais bien descendre en fait. J'aimerais bien descendre mais je sais pas. Ah, c'est pas du tout sécurisé, c'est rien du tout. Ah. C'est ultra flippant. C'est par là. J'ai pas du tout de stuff. J'aurais un full stuff en fer. Avec un minimum d'enchant peut-être en plus. Ouais, j'irai un peu plus à la bourrin, mais là, la saison qui fait 3 épisodes, saison fail par excellence, peut-être pas abusé. Ah, je cherche. Normalement, je pensais retomber sur la grotte. Ah, j'entends de la lave. Je sais quelle couche, tiens. 15? Oh! Ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Nous sommes atterris à la couche du diamant. En plus j'entends bien la lave. Je sens qu'elle est pas bien loin. C'est une très bonne nouvelle. Alors le tout c'est de la trouver maintenant. Je crois qu'elle est par là. Je serais pas étonné qu'on soit juste dessous. J'entends de l'eau aussi. Hop. Alors. Donc, charbon. Parce que je cherche. Juste à côté de l'eau. Enfin, il y a de l'eau dans le coin. Ah, c'est dingue. Ah, du lapis. Bon, c'est pas forcément très utile, mais bon, de toute façon, il m'en faudra. Hein. Mon défi Pick All Blocks. Peut-être chercher derrière ce charbon. Putain, je tourne autour, c'est infernal, mais... Je suis persuadé que je suis pas loin. Hein. Semblerait pas être là. Alors ce que je vais faire, j'ai peut-être une idée. Je vais juste prendre le dernier bloc de lapis. Ça fait pas mal d'XP pour... Mais tiens, il y en a encore un peu. Encore? Ça c'est du filon. Alors. Donc, je crois qu'il est peut-être par ici. Ok, non, voilà. On va remonter. On va remonter. On va essayer de vraiment retrouver le chemin de l'accès que j'avais trouvé. Donc alors, on avait dit que l'accès... Non, c'était pas là. C'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Donc la grotte est juste ici. Je suis descendu par ici. J'aurais dû la trouver en fait. Parce que je suis pas allé trop bas. Ouais, c'est ça. Je suis allé un peu bas. Du squelette en plus, j'ai bien moins de torches qu'avant. Je vais me refaire des torches. Hop, voilà. Ouf, donc c'est dans cette direction plutôt. J'ose toujours pas m'aventurer vraiment dans la grotte. Je vais peut-être d'ailleurs me refaire direct au Saint-Four, faire cramer mon charbon, enfin mon charbon, mon fer, et commencer à faire un morceau de stuff. Je pense que je vais faire ça. Voilà, vous voyez ce qu'on va faire. Je vais manger un... Déjà, je vais manger. Ça peut être une bonne idée. Je vais me faire une table de craft. Ça peut être aussi une bonne idée. Hop. Que je l'avais même pas faite. Comment ça se fait? J'étais forcé d'avoir fait une table de craft à un moment, non?
Je sais pas. Bon, ok, d'accord, je suis juste à côté. On va le foutre là. On va le foutre là. Il y a un zombie dans le coin en plus. On va mettre le four juste au-dessus. Je sais, c'est pas logique, mais c'est pas grave. Ça me fait super flipper. D'accord. C'est juste un satané cul-de-sac. Ouf! Tiens, viens là. Dans le genre super flippant. Bah voilà, il y a son petit copain qui arrive. Oh là là. J'ai super peur. Il y a un bébé zombie juste là. Il est possible qu'il fasse pop des copains. Il y a un zombie qui crame de l'autre côté. Dans le genre situation flippante, c'est pas mal. Avec cette petite voix aiguë là. Bon. Heureusement que je me suis carapaté, hein. J'ai pas osé bouger avant un bout de temps. Donc, je vais me faire un plastron. Je pense que je vais me faire un plastron, ça va. Ça va pas traîner. Hop. Grosse protection en vue. Voilà. On va essayer de trouver cette année lac de lave. Il est pas loin, on le sait. On a entendu un zombie cramé à 2 mètres. Il est là. C'est forcé. Ah bah voilà. Enfin. Donc. Ça donne quoi? C'est une sorte de gros puits. La lave atterrit dedans. Oh, il m'a fait flipper. Il n'y a pas l'air d'avoir de diamant par contre. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de diamant. Il est toujours là, lui. On va essayer de remonter. Moi, je vais remonter en tout cas. Bon, vous savez quoi? Je vais me tirer d'ici. En plus, c'est une mauvaise idée d'avoir mis juste un bloc au-dessus. Parce que là, pour le coup, les bébés zombies y passent. Je viens d'y réaliser à l'instant que j'ai fait un petit peu d'idiot. Alors c'est par où que je suis venu? C'est par là. On va rentrer et on va faire une pause. J'ai besoin de faire une pause. Bon, je suis désolé si le passage galerie n'a pas duré très longtemps. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal. Ouf, ouf, ouf. En plus il fait jour, nickel. On va faire fondre cet or. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, je vais faire... On va repartir sur un passage design, un petit peu. On va faire quelques escaliers. De toute façon, il va en falloir un paquet. Passer à 6, 7, 8... Et 10. Je pense qu'avec ça, ça devrait faire un petit peu l'affaire. Taïo ! Pas de creeper sur la figure, c'est une bonne nouvelle. Il y a toujours une vache qui squatte chez moi, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça me dérange pas. Allez, on y va. Ah, mais il va faire nuit, il va faire nuit, ça c'est embêtant. Ça, il faudrait vraiment, mais vraiment, un mouton. Je pense que. Le prochain jour, ce qu'on va faire, au lieu de descendre en galerie, ça va me changer un peu les idées. On va aller un petit peu ailleurs. Je vais noter les coordonnées de l'endroit où je suis. Et on va aller ailleurs. Bon, je vais pas y arriver. On va aller ailleurs chercher du mouton. Chercher une zone avec des moutons. Pour pouvoir au moins me faire un lit. Et la nuit tombe. Il faut vite que je me dépêche. Je voudrais poser la fin. Allez, allez, allez. Hop.
Là, on se carapate. Et on s'enferme. Voilà. Ouh. Bon. J'ai de l'or. J'ai de l'or, ça me sert pas à grand chose. Mais c'est pas grave. On va essayer de creuser. On va essayer de creuser. Je vais me refaire des pioches par contre. J'ai pas trop envie de retourner dans une galerie. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais creuser en vous coupant la séquence. Et je vous reprends dès que le jour se lève. Soit dans une petite dizaine de minutes. Environ. Bon bah tiens. Soit je vous coupe. Non, bon, je vais pas retourner en galerie. Je vais pas retourner en galerie, j'y arriverai pas. Je continue à creuser. Je vais faire un petit peu de minage optif. Enfin, ce que j'appelle minage optif, c'est que je vais descendre à la couche 0 de la même manière que ce que vous avez vu jusque là. Parce que j'ai vraiment du mal avec la version grotte. Voilà, je pense que je vais faire ça, je vais couper la séquence, je vais miner, et puis si je trouve quelque chose, je vous reprends, et puis de toute façon, si dans 10 minutes, je vous reprends environ, enfin dans 10 minutes environ, je vous reprendrai forcément, vu que ce sera à peu près jour, et comme ça, on pourra partir en exploration. Allez, hop, je vais couper la séquence, à tout de suite. Ok, me revoilà, j'ai retrouvé quelque chose, et ben en fait c'est de là où on vient d'après ce que j'ai... Bah ben voilà, c'est exactement ça, j'ai creusé quoi, j'ai creusé tout ça, et je suis tombé directement de là, sur la grotte, de là où je venais. Comme quoi, tout est lié. Ça doit être un réseau de galeries, de toute façon, interconnecté. Là-bas on a de l'eau, ça devait être l'eau que j'entendais. Ah c'est une sacrée grotte quand même, hein. Ah ouais, c'est une sacrée grotte. Ouais. Par contre, c'est toujours pas là ce que c'est toujours pas ce que je cherchais. Donc, eh ben, je vais couper là et puis je vais reprendre dès que j'ai trouvé quelque chose. Allez, hop, à tout de suite. Bon, ok, bah revoilà. J'ai encore descendu un tout petit peu, pas grand chose, mais je suis encore tombé sur un lac de lave. Je suis pas sûr que ce soit celui d'avant, par contre. Quoi qu'il y ait du fer à côté. Non, non, il semblerait que ce soit pas celui d'avant. Donc je pense que celui-là, ça serait plutôt intéressant de l'explorer un petit peu mieux. Donc vous savez quoi? Eh ben, c'est ce qu'on va faire. En attendant que le jour se lève. Hop, hop. On va se foutre ici. Et on va faire ce que j'appelle le pourtour du lac de lave. En gros, on va regarder tout ce qu'il y a autour. C'est possible qu'il y ait du diamant. Et ça serait super utile. Oh, par contre, il y a du fer. Ça, c'est déjà bien. J'ai une très bonne nouvelle. Pas tombé dans la lave, par contre. Ah, bon, c'est un lac de lave de 1 de profondeur. C'est déjà pas mal. Non. Ça, c'était bête, par contre. Ça, c'était un peu bête. Pas forcément. Ouais, bah, c'est pas très intelligent. Donc, on va aller voir là-bas. On va traverser. Et je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est de la redstone. D'ailleurs, faut que j'en prenne. Parce que j'en vois depuis tout à l'heure, mais j'en prends pas. On s'avance un petit peu. Alors, il y a de la redstone encore un peu. Ah, du fer. Nickel, on fait des stocks de fer comme ça. Allez. On va faire un pont. Je risque pas grand chose. Quoique. C'est plutôt risqué ce que je vais faire là. Parce que là, un petit squelette sniper. Et bouf. Plus de célandron et plus de saison. En tout cas, fin de saison. On entend de l'eau aussi à côté, je sais pas si vous l'entendez. Peut-être baisser le son de la musique. Défonce peut-être les oreilles. Je me rendais pas trop compte. Et d'après les vidéos, je crois que ma voix est pas forcément très audible parfois. J'en suis désolé. Donc là, il y a du charbon, j'en ai pas trop besoin. Ok, bon, bah vous savez quoi, je vais remonter et je pense que je vais attendre le jour. On va faire ça comme ça, je vous retrouve dès que le jour arrive. Allez hop, à tout de suite. Ok, alors je vous reprends, le jour semble être en train de se lever, là on le voit un petit
petit peu, voilà, quand je descends, on voit que le jour commence à se lever. Alors, deux, trois petites infos. J'ai fait cuire mon fer, enfin une partie, tout n'est pas fini. Et j'ai fait une bonne partie de mon armure, c'est-à-dire j'ai fait Iron Boots, Chestplate et Helmet. Il me reste... Est-ce que je peux faire le dernier? Ah bah oui, il semblerait que je puisse faire même le futard. Et oui, je peux même faire les leggings. Et bah c'est nickel. Honnêtement, c'est nickel. Comme ça, je me sentirais bien mieux pour descendre dans les grottes. Par contre, clairement, clairement, l'objectif du prochain épisode, parce que là, je regarde mon chrono, il reste 4 minutes environ. C'est... J'aurais jamais le temps d'aller chercher en 4 minutes un mouton. Mais il faut vraiment que j'en trouve un dans tous les cas. Donc je pense que le prochain épisode, ce ne sera pas consacré du tout aux galeries. Mais bien plus au... à la recherche du mouton. Plus qu'autre chose. D'ailleurs, je vais refaire quelques escaliers à la recherche du mouton perdu. Ça peut être drôle, ça tire. Allez, il fait jour. On va pouvoir sortir. Venez de tomber dessus, les creepers et autres petites créatures. Donc, objectif, trouver un mouton. Pour ça, par où je vais partir? Elle me fait peur, la vache. Eh ben, je pense que je vais aller directement en direction du soleil. Le mieux, c'est d'aller par là, je pense. Bon, je vais commencer, et puis je pense que le prochain épisode, on trouvera, j'espère, le mouton, et puis on rentrera. Le prochain épisode sera consacré à l'exploration. Il faut changer, hein, il faut changer, il faut mettre un peu de tout. Donc là, d'ailleurs, il y a une grotte. Et on y va. Allez, c'est parti. J'ai pris de la bouffe. J'ai un full stuff en fer. Je me sens déjà un peu mieux. Honnêtement, ça va bien mieux. Les démarrages de saison, c'est toujours affreux parce que c'est comme une épée qui nous tombe dessus à tout moment. C'est une épée de Damoclès, ça s'appelle. Ça peut dégénérer à tout instant dans les saisons hardcore. On a toujours des vaches. D'ailleurs, je vais faire encore quelques petits kills de vaches. Récolter un petit peu de bouffe. Bon alors, ça veut toujours pas charger, c'est bien affreux par contre. J'ai toujours pas réussi à résoudre ce problème quand même. Parce que même sur un serveur à distance, ça ne veut pas charger correctement. C'est assez bizarre, je vais pourtant réinstaller mon Minecraft et tout ça. Rien du tout. Bon en tout cas, il semblerait... J'ai pas mis Extended Biome pourtant, mais... Il semblerait que cette... C'est quoi d'ailleurs comme biome? C'est une méga taïga. Ah bah la méga taïga dure jusqu'à loin hein, parce que... Ah mouton mouton, bah nickel. Je viens de trouver les moutons, si c'est pas cool ça. Bon par contre, ils peuvent être assez inaccessibles. Hein, je sais... Ah bah si, c'est bon, ils sont juste là. Tant que ça charge. Ah là, mon dernier cube. Bon par contre, je sais qu'il y a des moutons par là. Je sais qu'il y a des moutons par là, il faudrait que je les préserve. Que je me trouve de la nourriture pour les amadouer, donc du blé, et ainsi les ramener chez moi. Il faut que je fasse aussi une plantation, ça pourrait être utile une plantation. Je continue à explorer, je parle, je casse pas mon idée que d'aller faire un épisode d'exploration en direction du seuil. Mais reviens là, du seuil couchant, du seuil levant, pardon. Je pense que parce que ça peut être intéressant de faire un épisode un petit peu autre. Pas comme d'habitude. D'ailleurs, par contre, j'ai plus de bouffe. J'ai plus de bouffe du tout. Un épisode autre. Pour ça que... Voilà. Comment dire? Je pense que je reste sur mon idée. Et on rentrera peut-être plus tôt dans l'épisode prochain. Mais en tout cas, je reste sur l'idée de l'exploration. Alors, là, j'aurais où j'ai vu quelque chose. Non, j'ai cru voir un village, mais non. C'était pas ça. Il y a un début de grotte. Tout là, j'ai eu un lag. Ah oui, c'est vraiment un début de grotte. Hein. Ça, pour le coup. Ok. Bon, bah, de toute façon, l'épisode a l'air de... Ça, c'était la fin de saison qui arrivait à grands pas. Quel idiot. Mais alors là, quel idiot de malade. Oh la vache. Quel abruti. En plus il pleut. Allez, génial. Et puis c'est la fin d'épisode. Oh, un dos qui me tombe sur la gueule au bon moment, tiens.
Oh la vache. Mais quel abruti. Mais quel abruti. Incroyable. Bon, ok. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée du coup de faire l'exploration sous la pluie. Surtout que j'arriverai bien moins à me repérer du coup. On va essayer de rentrer. On va essayer de rentrer et puis se caler à la maison. Et de toute façon, c'est la fin de l'épisode. On va pas que j'oublie qu'il faut que j'essaye de rentrer avant la nuit. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Hein. Désolé pour le gros méga fail à la fin de l'épisode. J'ai cru que la saison était finie, mais alors fini. Ça m'a fait un choc, hein. Honnêtement. Bon, bah le prochain épisode, on rentre. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire construction. Il faut que je fasse un épisode de pause, en fait, avant de retourner en galerie, parce que les galeries, ça me tue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. Si vous aimez aussi ce que je fais, si vous voulez en discuter avec moi, mettez des commentaires dans la vidéo si vous voulez en discuter, mais pas vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit sur Twitter, etc. Oh, un gros trou. Et bon, bah voilà, à la prochaine, salut à tous!